TMP, non, pas du tout, je vois pas. Non, non, j'ai pas... Pas du tout. Non plus. Okay. Non, aucune idée. Ouais. Une CMP, c'est un Content Management Platform. C'est un outil technologique qui permet au site internet de recueillir le consentement pour l'utilisation des données personnelles. Donc, dans le cadre d'une navigation sur internet, c'est le cookie. C'est un cookie publicitaire, un cookie de visite ou un cookie de préférence sur la langue, etc. On en parle beaucoup depuis la mise en place du RGPD le 25 mai dernier. Alors, si un site n'a pas de CMP, légalement, il n'a pas le droit d'utiliser toutes les données personnelles de l'utilisateur, donc il n'est pas en capacité de transmettre les informations liées au cookie à ses partenaires publicitaires. Et du coup, ces partenaires publicitaires ne peuvent pas envoyer de publicité ciblée. Et il faut savoir que la publicité ciblée est en général mieux payée que la publicité qui n'est pas ciblée. Donc en gros, l'éditeur risque de perdre de revenus et de gagner moins d'argent. Dans le cadre du reading, en fait, la CMP est juste un livre ouvert, une sorte de registre. Et on va juste chercher l'information dans la CMP et on la transmet aux différents partenaires SSP.